Vacances parlementaires de travail pour le député national Joseph Kabwimba Omwadi au territoire de Lulu, province de Lomami. Après son arrivée triomphale à Mbaya Musenga dans la chefferie de Mulundu, Leli Acer a assisté à la finale du championnat de football organisé par lui-même. En sa présence, les équipes finalistes ont joué les derniers matchs. Avant de procéder à la remise des coupes, cadeaux et enveloppes aux deux équipes finalistes, l'homme de Moneditou et Espoir de Lulu s'est adressé aux joueurs. Après ces quelques mots de morale, le député Joseph Mbaya Omwadi, le représentant du grand chef de Mulundu, les deux députés provinciales Acer et Doxy Milemba et Christelle Keta ont assisté l'initiateur dans la remise de médailles et des primes. Tout compte fait, c'est plus ou moins 5 millions de francs congolais que le député Joseph Mbaya Omwadi a remis à ses jeunes joueurs de Maluka Samba et de Mbaya Musenga. À cette même occasion, Leli, qui est en vacances parlementaires, n'a pas oublié de remercier toute la population pour lui avoir donné mandat. D'une agglomération à une autre, le cortège du député national Joseph Mbaya a réussi un autre acquis chaleureux à Chimanda, à Kangalakambay, à Louvu, à Kalamba, à Mukanda et à Wigong. Partout ici, Joseph Mbaya disait merci à ses électeurs, à ceux du président Félix Tshisekedi. Même à Wigong, Leli Acer n'est pas passé inaperçu. Dès l'entrée, des braves femmes ont accompagné le député Joseph Mbaya jusqu'à sa résidence de transit. Chantant à la gloire de Leli et scandant des slogans Inganichin tout au long de la marche, ces mamans de Wigong ont pimenté le bref séjour de Mbaya Omwadi à Wigong. Dans son adresse des circonstances, le député national de Lulu a remercié ces braves femmes pour l'accueil. Puis, le capable a justifié sa présence en cette fin de vacances parlementaires. Toujours à Wigong, l'homme du pouvoir de l'amour est allé consoler un de ses lieutenants de campagne aux soins. D'ici, les Joseph de Lulu et ses collègues provinciaux ont pris la direction de l'Institut Mukans. Dans l'enceinte de cette école repose le patriarche Mukans Kamdap des Inkanichin. Grand homme politique et d'affaires, Mukans est le grand-père de la députée provinciale Christelle Keta de Moneditou. Présent sur place, le député national Joseph Mbaya Kabwimba Omwadi est allé se recueillir à la tombe du père et de son beau-père.
De retour dans la chefferie de Mulundu, le député a captivé les populations de Mulundu, Katumba et Moussen Kadiaï avec son prêche sociopolitique. Pour ses premières vacances parlementaires de la législature 2024-2028, Joseph Kabwimba Omwadi a terminé son congé à Luputa, chef-lieu du territoire de Lulu. Empruntant la route nationale numéro 1, le délabrement fort avancé du pont Lulu a attiré l'attention des députés nationaux ACER. Cet ouvrage d'importance est devenu un danger public et l'intervention du pouvoir central s'impose. Sinon, les véhicules poids lourds de Mbujimayi ou Lubumbashi et Kolwezi vont se noyer dans l'un des quatre matins. Ça fait longtemps que je n'ai pas de chargement.